Moi, c'est Siamama. Alors, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Ça fait extrêmement longtemps qu'on parle de la Chine sur cette chaîne. Et je t'avais dit, on parle de la Chine, on parle de moi, on parle de la Chine, on parle de moi. Donc, on est sur les thématiques qui concernent Siamama. Alors, aujourd'hui, ça va être une journée assez particulière parce que j'ai été malade pendant une semaine. Je ne te dis pas, conjonctivite, sinusite et endométriose la même semaine. Et du coup, je vais te dire 5 choses dans cette vidéo que je déteste chez moi. Alors, j'espère que ce sera une vidéo drôle, que tu vas t'amuser. Petit message pour les nouveaux, si tu débarques ici, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, même si elle n'a pas commencé. Et surtout, à mettre un petit commentaire de ce que tu penses, de ce que je vais te dire aujourd'hui en gros. Ah bah, voilà, à tout à l'heure, après le dîner. Après le générique, et je pense que avant de commencer cette vidéo, il faut absolument que je te prévienne, que je te partage quelque chose d'assez important. Il faut que tu viennes me suivre sur Instagram ou sur TikTok comme tu veux, parce que je suis présente sur les deux réseaux sociaux, mais c'est surtout parce que bah là-bas, je partage ce que j'appelle Mamopedia en avant-première, et après ça arrive sur YouTube bien entendu, mais c'est parce qu'aujourd'hui il y a une nouvelle fracassante qui est en train de créer la polémique sur le monde occidental, c'est Wakanda qui a été interdit en Chine. Alors, je t'explique dans Mamopedia pourquoi les Chinois ne veulent pas de ce film Black Panther, qui semble être le dernier film du siècle qui rend l'Afrique noire fière. Donc, si tu veux savoir pourquoi ce film a été banni, n'hésite pas à me rejoindre sur ma communauté Instagram. Tu t'abonnes, tu regardes le Mamopedia qui va sortir tout à l'heure. Et puis, bah, let's go sur les 5 choses que je déteste chez moi. Des choses à laquelle je pense, c'est forcément sur ma tête. Ah bah oui, tu t'imagines bien, ce serait très facile d'aller vers le bas. Eh bah oui, je fais un bruit de Windows quand je me réveille le matin. Donc, la première des choses qui m'agace chez moi, c'est mon nez. C'est pas du tout pour les raisons que tu t'imagines. Hein. Loin de moi de faire de la chirurgie esthétique ou de le rallonger ou de faire je ne sais pas quoi ce que me conseilleraient de faire les Chinois. Non, mon nez m'agace énormément parce que je suis sensible à la poussière. Eh bah oui, je ne comprends pas pourquoi il y a cette kryptonite qui m'a été installée dès la naissance, c'est que la poussière me pose problème. Donc par exemple, il y a quelques jours, ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez découvert que j'ai dépoussiéré tout ce background parce qu'il y en avait énormément, mais c'est surtout que mon nez, il est tellement fragile, tellement fragile que de temps en temps, il y a des moments comme ça dans l'année, il y a une sinusite, elle arrive, elle me fracasse. Mais quand je dis me fracasser, des fois il y a du pus, c'est pas très glamour. Des fois il y a du sang. Tout ça sort de là en mode tu te démerdes. Donc franchement, à un moment donné, j'ai décidé d'appeler mon SAV pour leur demander, les gars, j'avais pas négocié un contrat avec un nez avec la sinusite. Mais bon, c'est pas tout ce que j'ai. On va passer sur l'option numéro 2, chose que je déteste chez moi. Dire sur cette deuxième chose, et eh ben il s'avère que ça va faire 2 fois de suite que j'enchaîne une conjonctivite. Vous connaissez, c'est assez vilain, ça te laisse les yeux rouges. Le matin, quand tu te lèves, t'as les yeux qui collent, tu es là, tu essaies de ouvrir. Enfin bref, même aujourd'hui, en l'heure où je vous filme, j'ai encore les yeux rouges. Mais dans tous les cas, moi j'ai décidé d'appeler mon SAV parce que franchement, là, il y en a marre. À quoi? Moi, je suis pas née dans les années iPhone, hein. À mon époque, c'était ça le téléphone. Enfin bref, tu t'imagines bien que personne n'allait me répondre pour me donner des comptes sur ma situation de la conjonctivite qui m'a encore attrapée pour la deuxième fois de suite. Suite à la conjonctivite, je me suis dit, ok, y a pas de souci, y a pas de problème. Moi, je vais accepter tout ce qui m'arrive. Par contre, là, il y a une chose qui se passe. C'est que je revis mon adolescence. Bah, comme si ça ne suffisait pas, en fait, d'avoir été adolescente. Je t'explique. En fait, il s'avère que j'ai des boutons. J'ai une acné qui sort de je ne sais pas où. Plusieurs personnes essaient d'expliquer, mais non, c'est les hormones, c'est si. Il y a même un docteur qui a osé me poser la question à savoir comment c'était l'adolescence. Ouais, ben en fait, elle pensait que j'avais 15 ans. Allô? Oui? Allô? Oui, oui, allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Bon, je vais essayer un nouveau numéro. Du coup, mon problème de bouton n'a pas été résolu, tu t'imagines bien, parce qu'elle a voulu me proposer un médicament. Un médicament, je n'ose même pas prononcer son nom tellement il fait peur et il te détruit la santé. Donc finalement, on arrive à la conclusion qu'il fallait pas prendre ce dernier et qu'il fallait que j'accepte juste ce destin qui m'était alloué parce que, bah écoute, normal quoi, à mon âge, c'est totalement normal. Et bien, quand tu te dis que t'as déjà fait tout sur la liste, hein, on a parlé des yeux, on a parlé du nez, on a parlé des boutons, et ben non, il y a aussi le ventre. Bah quoi, le ventre? Il fallait bien qu'il ait quelque chose, celui-là aussi. Et bien la chose qui me dépasse dans mon ventre, ce n'est pas un problème que tu t'imagines, hein, parce qu'il y a un autre problème et c'est par rapport au bas-ventre et je t'en parlerai d'ici quelques instants. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à mon ventre, il y a un truc que je subis depuis l'enfance, c'est la constipation.
est d'accord, c'est pas glamour tout ce que je te raconte. Que veux-tu que j'y fasse? J'ai traîné dans les endroits les plus sales du monde et mon ventre, il tient. Il ne veut pas me lâcher une petite. Voilà. Tu imagines bien que j'ai fait tous les boui-boui du Cameroun. Et... Mais oui, c'est clair. Tous les boui-boui de la Chine. Eh ben non, le ventre, il est là, il tient, il est solide et il ne veut pas lâcher l'affaire. J'ai vu les docteurs, j'ai vu les spécialistes, j'ai vu tout ce que tu peux imaginer. Eh ben non, je suis constipée et c'est comme ça, c'est mon destin. Allô? Elon Musk? Non, c'est pas toi que j'essaie d'appeler. Par contre, je pense que je peux te proposer, moi, pour aller sur Mars parce que j'ai compris que vous aviez des difficultés à trouver des gens qui ne font pas pitapota tout le temps. Ben, j'en suis une parce que je suis une éternelle constipée. Donc, pour un voyage de 6 mois, j'irai aux toilettes en moyenne une fois par semaine. Ça fait beaucoup moins de couches. N'hésite pas à m'appeler ou à m'écrire sur Instagram. Je serai volontaire. Bon, toujours pas. C'était Elon Musk. Je vais essayer de nouveau le SAV. Donc, tu t'imagines bien qu'avec cette histoire de ventre qui est assez solide, il fallait bien qu'il y ait une petite faille. Ben oui, sinon ce serait trop drôle. Et ben ouais, c'est comme ça. J'ai l'endométriose. Oui, je t'en ai déjà parlé. Donc, l'endométriose, pour la faire simple, c'est une maladie qui touche que les femmes. Parce que bah, on est les seules à détenir ce pouvoir d'avoir nos règles tous les mois. Et que, justement, l'endométriose touche une femme sur 10, il a fallu que je sois cette femme-là. Alors moi, j'aime être première, je n'aime pas être perdante. Je suis d'ailleurs une mauvaise joueuse parce que j'aime gagner. Et là, pour le coup, je n'avais pas prévu d'être première, là. Je veux dire, une femme sur 10, j'aurais pu être la cinquième et éviter tout le tralala qu'on se trimballe lorsqu'on a l'endométriose. Alors, attention, lorsque je t'en parle ici, j'ai l'air détendue. Mais lorsque j'ai mes crises d'endométriose, c'est pas joli joli. Et si tu débarques en te disant oui mais c'est quoi l'endométriose si à maman? Ben en fait ce qu'il faut savoir c'est que pendant tes règles, tu vois, le sang il devrait courler normalement par la voie qui a été faite par l'architecte. Et bien c'est certaines femmes, notamment moi, une femme sur 10, l'architecte a fait une erreur. Le sang va circuler là où il est censé circuler, mais de temps en temps il va aller se positionner dans des endroits pas prévus. Et puis il va décider de couler à cet endroit. Ça veut dire que si il est à côté de la vessie, et ben il va couler par là. Et donc vivons depuis un moment avec cette maladie, tu finis par t'habituer au réflexe, aux choses des gens et puis surtout à ton corps qui devient une espèce de poulet de ferme. D'ailleurs, je me suis autoproclamée. Et à tous les poulets qui viennent tous les ans, on fait des réunions, on discute des prochaines grippes aviaires, bon, pour certaines catégories. Allô? Oui? Allô? 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 Finalement, ce SAV ne me répond toujours pas. Ça fait des mois et des mois que je pose la même question. Comment est-ce que j'accède à mon architecte? Bon, tu l'auras compris, je fais ici cette vidéo juste pour râler, vous parler un petit peu de moi et de mes petites galères parce que ça m'arrive souvent d'être malade. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je me donne aussi à fond lorsque tout va bien. C'est parce que je veux profiter de ces instants où bah tout va bien quoi, tout simplement. Et donc franchement, j'ai pas juste fait cette vidéo pour râler, pour dire oh là là, mon nez, mon visage et tout en panique. C'est surtout pour vous dire que je voudrais contacter mon SAV. Je suis sérieuse. Déjà au moins pour l'endométriose, on arrête les bêtises là. Ça suffit, ça fait beaucoup trop longtemps. Pour l'acné, je préfère encore m'abstenir parce que depuis un certain temps, ma peau va beaucoup mieux. Mais alors pour les yeux, je vais porter plainte. Je ne suis pas d'accord que ça continue comme ça. Allô? 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 Oh, c'était ma mère le SAV. C'était ma mère. C'était ma mère l'architecte. Maintenant que j'ai dit tout ça, franchement, je suis quand même reconnaissante d'être en bonne santé à l'heure à laquelle où je te parle. Je voudrais quand même dire que ces éléments que je viens de te citer, mon nez, ouh, il a des super pouvoirs. J'ai l'odorat d'une femme enceinte, mais ça dure 365 jours sur 365. C'est-à-dire que moi, j'ai un nez tellement développé que je pourrais travailler avec la police pour détecter la drogue dans les aéroports. Et ça, c'est vrai. Alors mes yeux, oui, c'est vrai que je m'en plains, mais ils ont un super pouvoir en dehors d'avoir de la conjonctivite. Ils peuvent détecter tous les sorciers du quartier. Ici, quand je parle de sorciers, je parle de cette intuition qui, quand tu te retrouves avec des gens sur des fréquences négatives qui vont t'attirer que des problèmes, bah moi j'arrive à détecter ça juste avec un regard et te dire next. Et ben ensuite par rapport à la peau, bah j'ai pas grand chose à dire parce que effectivement c'est souvent très dur de vivre avec cette acné, même si comme je le dis là ça s'est calmé étrangement parce qu'ils savaient que j'allais faire la vidéo, ils ont dit c'est bon on lui dégage ça comme ça elle va pas trop râler. Et ben ensuite mon ventre, quand je vous parlais, je ne connais pas ce que c'est la diarrhée, la doute, j'ai un ventre solide et comme je vous dis je suis prête à aller sur Mars. Parce que moi, au moins, il y aura beaucoup moins de couches pour pouvoir en fait faire le voyage. Et par contre, trêve de mondanité, comme dirait Kevin Tran, il s'avère que par rapport à mon bas-ventre, à mon utérus, je ne peux pas dire non plus que je suis contente de l'avoir parce
parce que c'est vrai que c'est difficile d'être une femme. Je souhaite vous dire que l'endométriose est une maladie qui touche énormément de femmes, donc une femme sur 10, certes, mais on est de plus en plus nombreuses à subir cette maladie. Mais le fait est que c'est assez difficile au quotidien de vivre avec ça pour celles qui connaissent la douleur. Les premiers symptômes dont on parle, c'est la dysménorrhée, donc les règles extrêmement douloureuses. Moi, je cumule avec les dyspareunies. Et bien entendu, on a des douleurs pelviennes, ombilicales ou abdominales. Je vais t'épargner les détails parce que ce n'est pas joli joli. Certaines peuvent avoir des douleurs qui irradient jusqu'à la jambe et ne pas pouvoir marcher. C'était mon cas il y a quelques années, mais heureusement qu'aujourd'hui j'utilise les quatre côtés. Et aussi, on peut parler des dysuries, donc des difficultés à uriner ou à déféquer. Et comme il fallait une petite cerise sur le gâteau, sur les 2 femmes sur 10, il arrive que 40% d'entre elles aient des problèmes de fertilité. Et aujourd'hui en France, on compte plus de 2,5 millions de femmes atteintes d'endométriose, mais ce n'est toujours pas assez considérable pour en faire un sujet important, du moins comme ça l'est pour d'autres maladies. Donc franchement, sans rire, j'espère que tu t'es amusé dans cette vidéo dans laquelle je ris un petit peu. Petit problème que j'ai de santé dans ma vie, parce que d'un côté, tu as des grosses maladies comme les cancers, comme la drépanocytose, etc., etc. Donc franchement, je suis quand même heureuse d'être en bonne santé. Mes problèmes de conjonctivite sont en train de s'améliorer. J'ai encore les petits yeux rouges, mais c'est pas grave, ça va passer. La sinusite est en train de s'évacuer aussi, et la poussière reste ma kryptonite. Pour mon ventre, et ben, j'ai cette grande chance, c'est que je suis souvent constipée. Et pour mon endométriose, et ben, pour le moment, je ne sais pas trop comment elle va évoluer. J'espère que tout va bien se passer et je te remercie de m'avoir écoutée. Alors, après avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu la partageras avec quelqu'un qui a aussi des petits problèmes de santé comme moi, juste pour qu'elle rie de temps en temps, parce que ça fait du bien au moral plutôt que d'en pleurer. Et puis c'est surtout que lorsque ton moral est bien, la santé elle reprend de la forme. Je te remercie de m'avoir écouté en ce lundi pour cette nouvelle vidéo. Mon anniversaire c'est ce samedi et pour l'occasion j'ai décidé de faire une vidéo assez particulière. Bon, j'essaierai de la tourner au fur et à mesure dans la semaine, surtout le week-end, en espérant qu'elle sortira le lundi et qu'elle te fera rire, parce que c'est en fait des petits challenges que j'essaie de me faire. Donc le rendez-vous est pris tous les lundis à 18h15, un peu plus de temps en temps parce que tu connais le montage et tout. Et puis, je te fais plein de bisous. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo. Et je te dis à bientôt. Mameta! Bye bye!